just have a seat. Vous pouvez vous asseoir. Thank you. I just greet all in the name of our Jesus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. It's so good to be in the house of God. C'est tellement bien d'être dans la présence de Dieu. And you know, when we meet brothers and sisters together, it's so really good. Vous savez, quand nous nous rencontrons, frères et sœurs, c'est tellement bien. You know, there is no another place that we can meet. Il n'y a pas d'autre endroit que nous pouvons nous rassembler. Except in the house of God. Si ce n'est que dans la maison de Dieu. And when you come to the house of God, et quand vous venez dans la maison de you Dieu, have to be happy. Vous devrez être joyeux. Because you come to see your sister, your brother. Parce que vous êtes venu voir votre sœur ou votre frère. Amen, amen. Amen. Who is happy today? Qui est content ce soir? May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Without delaying, we're going to just go through the Word of God. Sans tarder, nous allons directement entrer dans la parole de Dieu. Before we're going to the Word of God, mais avant cela, I just want to thank our daddy. J'aimerais dire merci à notre papa for this opportunity he gave us again. Pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée. And I'd thank all the leadership. J'ai dit encore merci à tous les leaders de l'église for trusting us to be here. De nous faire confiance que nous soyons ici. You know, we're living in a perilous time. Vous savez que nous vivons dans une période très difficile. And it's really a time that we have to commit ourselves in the things of God. C'est une période que nous devons nous confie à notre Dieu. You know, the time that I was just meditating the word of God. Quand je méditais la parole de Dieu. And then I see the moment that we're living. Et j'ai vu le moment que nous vivons. It's really a time that we have to give ourselves to serve the Lord. C'est un moment où nous devons tous nous donner pour servir Dieu. Because you know, there is a lot of things that is happening that you don't know that also you involve. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous ne savez pas que vous aussi vous êtes inclus. Even the time that you're sitting there. Même quand vous êtes assis. And then I just come to realize something. Et je suis, j'ai réalisé that in this time, que dans ces moments, we need to know the true word of God. Nous devons connaître la vraie parole de Dieu. Say amen to that. Dis amen à ceci. Because this is the right time. Parce que c'est un moment. That's why I would like that you may open our book in a book of Matthew. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthew chapter 25. Matthieu chapitre 25. We're going to read from verse 1 up to verse 13. Nous allons lire du verset 1er au verset 13. Then we're going to read another scripture. We're going to read in a book of Revelation. Et après, nous allons encore lire dans les livres d'Apocalypse. Revelation chapter 3, verse 4. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. If you find, you can stand on your feet. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous tenir debout. Amen. Je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque
Amen. Revelation chapter 3, verse 14. Le verset 14. Amen. Carry on. Amen. Okay, we're going to just pray. Heavenly Father, I pray for this word today. Let, O God, the Holy Spirit to speak forth. Myself, O God, I'm just a servant, but I need, O God, that I may leave myself into you, God, that you may speak forth. Let your Holy Spirit to take control and to touch somebody. Just one person may be touched with this word. Let honor and glory and power comes to you in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. We were just reading these two passages in the Bible. Nous venons de lire ces deux livres. We read in the book of Matthew 25. Nous avions lu dans les livres de Matthieu 25. And then we read the Revelation chapter 3 verse 14. Et après nous avions lu dans les livres d'Apocalypse chapitre 3. For the time the in the Revelation. Dans les livres d'Apocalypse. The Bible says that is the revelation of Jesus that revealed by John. La Bible dit que c'est la révélation de Jésus révélée par Jean. Here we read in a verse in verse 14 chapter 3. Nous avions lu le verset 14 du chapitre 3. They're talking about the church of Laodicea. On nous parle de l'église de Laodicée. When you read the Bible. Quand vous lisez la Bible. They reveal the seven churches in Asia. On a révélé le sept églises d'Asie. But I'm talking about this last church that they're talking, the church of Laodicea. Mais là, je vous parle de cette église qui était la dernière, so l'église de Laodicée. The apostle Paul here, John was just, relating the revelation that came from Jesus. L'apôtre Paul était en train de relater la révélation de Jésus. Or in the seven churches. Mais dans toutes les sept églises. It's characterizing the church that passed and what we are here right now. Ça caractérisait les églises qui ont été passé et aussi les églises que nous sommes aujourd'hui. Oh, we're talking about the church of Laodicea is the last church. Mais ici nous parlons de l'église de Laodicée qui est la dernière. Oh, when they're talking about the last church. Quand on parle de la dernière église. Normally the church is concerning this period of time. Cela veut dire ça concerne cette période. You can see the way that they were just warning the church of Laodicea. Vous pouvez voir la manière dont on parlait à l'église à Laodicée. So the church of Laodicea. L'église de Laodicée. They were just they were not really hot or cold. Il n'était ni chaud ni froid. So you can see that Jesus said that I will vomit, I will spit you. Vous allez voir là où Jésus dit que je vais vous vomir. Because you are not whether hot or cold. Parce que vous n'êtes ni chaude ni froide. And it just gives the way that they're just making themselves rich. Et il a donné aussi la parole en disant qu'ils étaient juste riches. It was the just to see the way the church today is going. C'est juste pour voir comment est l'état de l'église aujourd'hui. So there were no power of God in the church. Il y avait plus la puissance de Dieu dans l'église. So it was that they were acting everything according to the flesh. Et ils faisaient toutes choses charnellement. You can see the church of today. Vous pouvez voir l'église d'aujourd'hui. It's not the church that God wants us to be. Ce n'est pas l'église que Dieu veut. But it's the church that people they prefer to go back to the desire of the flesh. Mais c'est l'église que les gens aujourd'hui aime faire toutes choses charnellement. That's why Laodicea means. C'est pourquoi Laodicea veut dire lukewarm
it's lukewarm, no hot or cold. Tu n'es ni chaude ni froide. So that's why he was just giving the instruction to them. C'est pourquoi il leur donnait les instructions. He said that you are just not whether cold or hot. En les disant que vous n'êtes ni chaude ni froide. You must understand something. Vous devez comprendre une chose de nos jours. Jesus said. Jésus dit. Go all over the world. Allez partout dans le monde. And make disciples. Et faites de disciples. Jesus never said. Jésus n'a pas dit. Go all over the world. Allez partout dans le monde. And make members. Et faites des membres. The mistake of the church of today. L'erreur de l'église d'aujourd'hui. We prefer to make members. Nous préférons faire le membre. Than making the disciple. Que faire le disciple. Or membership. Mais le membre. You can leave the membership. Tu peux abandonner en étant membre. That's tu peux abandonner why you can see the church of today. C'est pourquoi vous pouvez voir l'église d'aujourd'hui. We're fighting for members. Nous nous battons pour le membre. Because you say that I can change the way I want to change. Parce que vous vous dites que je peux changer de la manière But dont je veux. A disciple Mais un disciple cannot change. Ne peut pas changer. When a disciple Quand un disciple is following his master, est en train de suivre son he maître, cannot change il ne peut pas changer. Because he is a disciple. Parce qu'il est un disciple. Or disciple Or, un disciple, it means discipline. Cela veut dire discipline. He is disciplined under his master. Il se discipline sous son maître. But when you are a member, Mais quand tu es un membre, when you see that things are not going si well, tu vois les choses n'est pas bonne, you can change your membership. Tu peux changer. That's why the church of today, C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, we have to avoid to make members, nous devons éviter de faire de membres. But we have to make disciples. Mais nous devons faire des disciples. Now, this the Bible explains. Ici, la Bible explique. This parable. Cette parabole explique. This parable. Cette parabole explique. I will call my message. Je vais nommer le message. The importance of the Holy Spirit. L'importance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. The importance of the Holy Spirit. L'importance du Saint-Esprit. The Bible explains to us. La Bible explique. About this parable. La Bible nous explique ce parabole. In chapter in Matthew 25. Dans Matthieu 25. The Bible says. La Bible dit. Jesus was giving the parables. Jésus donnait les paraboles. You know that Jesus, the way of explaining things. Vous voyez la manière que Jésus expliquait les choses. He was just speaking in parable. Il parlait toujours en parabole. Or when he's talking the parable. Mais quand il parle en parabole, it's just to make the things that you can understand. C'est juste pour faire les choses que tu veux comprendre. He's gonna give you the example of the things that you can understand. Il va te donner des exemples, il va t'expliquer par les exemples compréhensibles. So when Jesus is talking into parables, quand Jésus nous parle en parabole, he's trying to make the example of the things that we can see. Il essaie de faire les exemples avec des choses qu'on peut voir. Now the Bible says, maintenant la Bible dit, that then the kingdom of heaven, alors le royaume des cieux, shall be likened to the 10 virgins. C'est rassemblable à 10 vierges. So when Jesus said that it's gonna be like, quand Jésus dit ça sera comme, so he just gave the narrative, the example of the things. Il a juste donné l'exemple de choses. So that people they can understand what he's talking about. Pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il parle. Because understanding the things of heaven. Parce que comprendre les choses du ciel. It's so hard for people. C'est très difficile pour les so gens. So for Jesus to explain. Et pour que Jésus explique. He have to talk into parable. Il doit nous parler en parabole. Parable means the metaphor. Parabole veut dire la métaphore. The metaphor, that means it takes something to explain the thing that you can't understand. Cela veut dire il prend une chose pour expliquer ce que tu ne peux pas comprendre. Now he was just giving this parable. Il donnait cette parabole. He said the kingdom of God is like. Et il a dit le royaume des cieux est semblable. Like the 10 virgins. À 10 vierges. Now this is the thing that I want you to understand. Ce sont les choses dont j'aimerais que vous puissiez comprendre. They said that there were 10 virgins. On nous a dit qu'il y avait 10 vierges. And all 10 virgins. Et toutes les 10 vierges. They were waiting for the bridegroom. Ils attendaient le pou. Or the bridegroom. Le pou. Have to come. Il fallait que le pou vienne. They have to prepare themselves. Ils doivent se préparer. To wait for the bridegroom to come. Pour attendre le pou qui venait. The Bible explained nicely. La Bible explique très bien. Among them there were 5 foolish. Parmi elles il y avait 5 folles. And 5 wise. Et 5 sages. But all of them they were virgin. Mais ils étaient toutes vierges. You must understand these things. Vous devez comprendre ces choses. All of them they were virgin. Toutes les 10 étaient vierges. Whether wise or foolish. Qu'elles soient sages ou
folles. They were all virgins. Mais elles étaient toutes vierges. And the Bible says. Et la Bible dit. That all of them. Et toutes le disent. They carry the light. Ils avaient de lampes. All of them they carry the light. Toutes les dix avaient because de lampes. They have to expect the bridegroom to come. Parce qu'ils expectaient ou ils attendaient le pou. Everyone carries light. Tout un chacun d'elles avait une lampe. But the Bible says this. Mais la Bible dit. It says that five of them, le cinq d'entre elles, the foolish, ou le folle d'entre they never elles, carried the oil. Ils n'avaient pas d'huile. But the five wise, mais les autres cinq, they carried the oil. Avaient l'huile. Now all of them ten, mais toutes le dix, they were in the same place. Elles étaient dans une même endroit, the same dans time, un endroit. The same time. Le même moment. And they're waiting the same event. Et ils attendaient tous un événement but commun. Five foolish, mais il y avait cinq folles and five wise. Et cinq sages. The Bible says, la Bible dit, that the ten wise they carry the oil. Que le cinq sages avaient leur huile. Oh, you will understand in here. Et vous allez comprendre que, the time that they carry the light. Quand ils avaient leur lampe. Because in the light. Parce que dans leur lampe. They have to expect the bridegroom to come at night. Avec leur lampe, ils attendaient que le époux vienne à minuit ou so le soir. My question is why the maintenant, bridegroom. Ma question, is not coming during the day. Ma question est que pourquoi est-ce que l'époux ne vient pas pendant la journée? For them to wait that the bridegroom to come. Pour qu'ils attendent le époux. They have to wait at night. Elles doivent attendre le soir. When you read the Bible. Mais quand vous lisez la Bible. Everything. Toute chose. That is written in the Bible. Qui est écrit dans la Bible. Got the meaning. A une signification. So for them to wait the bridegroom at night. Pour qu'ils attendent le époux le soir. Got the meaning. Cela a aussi une signification. So for them to carry the light, et pour qu'elles aient leur lampe, it's very important, c'est très important because when they carry the light, parce que quand elles avaient leur lampe, for them to go to meet the bridegroom, pour aller pour attendre le pou avec, because it's the night time, parce que c'était le soir, the light have to shine and to see the way to go. La lumière doit les éclairer pour leur donner and le chemin the ou voir le chemin. To look at them, et le pou doit leur voir. The light have to be shine. Pour que le pou le voie, la lumière doit être now, là. The Bible explain, la Bible explique. So they were waiting for the bridegroom. Elles attendaient le pou. But you must understand something. Vous devrez comprendre une chose. The meaning of the light, la signification de la lumière. The meaning of the oil, la signification de l'huile. So they were there waiting. Elles étaient là en train d'attendre. Now you must understand this. Et vous devrez aussi comprendre. In a book of Psalms, dans le livre de Psaumes. 119. 119 verse 105. Le verset 1 à 5. The Bible's the 105. 1 ou 5. The Bible explains. 105, sir. The Bible explains. La Bible explique. That the light. Que la lumière. That you, I mean your word is the light. Que la parole est la lumière. On my feet. Ta parole est une lampe à mes so pieds. You must understand vous devez comprendre that the light, que la lumière, it symbolizes the word of God. Ça symbolise la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. It symbolizes ça the word symbolise of God. La parole de Dieu. So that means every day, or every all of them, cela veut dire toutes le disent. They were having the word of God. Elles avaient la parole de Dieu. All ten virgins, toutes les dix vierges, they were having avaient la parole de Dieu. The word of God. Amen. Amen. So now, listen to this. Maintenant, écoutez. As the light is the word of God. Comme la lumière est la parole because de Dieu. Because the Bible says so. Parce que la Bible déclare cela. You must understand something. Vous devez comprendre que. The word of God. Que le chemin de Dieu. In a Greek word. Dans le grec. It got different meanings. Ça a de différentes significations. We got what we call the logos. Nous avons ce que nous appelons le logos. And we got what we call the rhema. Et ce que nous appelons rhema. Now here. Maintenant ici, they explain nicely, on nous explique that all of them, que toutes le disent, they were having the logos, avaient le logos. Now logos, logos is the written word of God. C'est la parole écrite de Dieu. Amen, amen. Amen. They were having logos. Eux toutes avaient le logos. Now you must understand vous something. Vous devez comprendre. So no matter what they're having logos. Même si elles avaient le logos. But they must have a difference. Mais ça doit être différent. Listen to this. Écoutez ceci. Even the devil himself. Même le diable lui-même. Knows the logos. Connaît le logos. That
That's why, c'est pourquoi when the devil took Jesus, quand le diable avait pris he Jésus, was saying, he is written. Il disait, il est écrit. Nobody knows the logos more than Satan. Personne ne connaît les logos plus que Satan. Now listen to this. Écoutez ceci. So as they know all of them the word of God, comme eux tous savaient la parole de Dieu, that limited to the logos. Ce qui s'est limité but à, there à is logos. Something that the devil cannot know. Mais il y a une chose que le diable ne pouvait is pas the connaître. Rhema of God. C'était le rhema de Dieu. Because if the devil knew parce the rhema, que si le diable savait le rhema, he could stop to kill Jesus. Il devrait arrêter ou se because stopper de tuer didn't Jésus. Know the rhema parce of qu'il God. Ne savait pas le rhema. Or the rhema, mais le rhema is the speaking word of God. C'est la parole prononcée par Dieu. We're going there. Now the Bible says, maintenant la Bible dit, all the 10 virgins, toutes les 10 vierges, everybody they carry the light. Toutes les 10 vierges avaient leur lampe. They carry light. Elles avaient leur lampe. Now this maintenant, is the things la that differ the fools and the wise. Il y avait le sage et what le differ, what differ la the différence fool? Entre ce qui différenciait le sage et le wise, fool. Le sage they were carrying the oil. Avait leur huile. They were carrying the oil. Ils avaient leur huile. Oh, the oil. Or l'huile. It symbolizes. Ça symbolise. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. Now listen to this. Écoutez maintenant. They were carrying the oil. Elles avaient leur huile. With them. Avec elles. Now you must understand. Maintenant vous devez comprendre. The church of today. Que l'église d'aujourd'hui. They limit themselves. Se limite. In the logos. Dans les logos. Let me telling you. Laissez-moi vous dire. Even though you see someone who's speaking logos, même si vous voyez quelqu'un qui parle de logos, don't be intimidated. Ne soyez pas intimidé. Because it's just the written word of parce God. Que ce n'est que la parole écrite. Even the devil himself même knows le the diable logos. Connaît le logos. But what you have to know, mais ce que vous devrez connaître, you have to go to another dimension, vous devrez aller dans une autre is dimension, the qui est la dimension de rhema de or Dieu. The rhema of God or le rhema de cannot Dieu come without the Holy ne Spirit. Peut pas venir sans le Saint-Esprit. Now listen to this. Écoutez maintenant. Now here there were all of them five. There. Maintenant elles étaient toutes les cinq là. Then the Bible says. Maintenant la Bible dit. They were waiting for the bridegroom. Elles attendaient toutes l'époux. Mm-hmm. They were waiting for the bridegroom. Elles attendaient l'époux. Oh, the condition of the bridegroom. Mais la condition de l'époux. You must understand that according to the Jewish culture. Selon la culture juive. The Jewish culture, selon la culture juive, before they taking you as a spouse, avant qu'on puisse te prendre comme épouse, they have to pay the bride price. Il faut qu'ils donnent la dot. Amen, amen. So that means, cela veut dire, they were waiting the bride. Ils groom, attendaient le époux, but they were not married yet. Mais elles n'étaient pas mariées d'abord. Mm-mm. They were not married yet. Elles n'étaient pas mariées. But he paid the price for them. Mais il a payé le prix pour elles. So that means in a Jewish culture, dans la culture juive, first of all, premièrement, they will go and pay the price. Premièrement, on paye d'abord la dot. It's the same thing that we're doing in our culture. C'est la même chose que nous faisons dans nos cultures. Before you get married, avant de te marier, you have to pay the bride price. Tu dois d'abord payer la dot. Oh, when you pay the bride. Quand tu payes la dot, it's not the same time that you will be together. Ce n'est pas le même moment que vous allez vous so marier. You have to wait. Cela veut dire tu dois attendre for the bridegroom pour que le poux to build the house. Construise la maison. So after building the house, après avoir construit the la maison, bridegroom will come back. Le poux rentrera. Then it's gonna take you. Et il va te prendre. Then they will have the wedding. Et il y aura le mariage. Now listen. Écoutez. Jesus. Jésus. He prayed the bride price for us. Il a payé le prix pour nous tous. So he paid the price. Il a payé le prix. But he never married yet. Mais il ne s'est pas encore marié. He went, he said, il dit, I'm going to prepare the place. Je veux préparer la place. And after preparing, après avoir préparé I l'endroit, will come and take you. Je reviendrai te where prendre. I will be, it's where you're gonna be. Quand, où je serai, tu seras. Because he's still building, parce qu'il construit encore. And he's waiting to come and take his bride. Et il attend le moment pour venir prendre l'épouse. Amen, amen. Amen. Now, this is the way that they were waiting. Là, elles attendaient. They were waiting. Elles attendaient. The Bible explains. La Bible explique. It reaches a time. Il est arrivé un moment. When they hear the cry.
Quand ils criaient, in a midnight, quand ils ont écouté le cri, c'était à minuit. It was in a midnight. C'était vers minuit. In a midnight, why? Pourquoi à minuit? The midnight, minuit, they hear the shout. À minuit, ils ont écouté le voix. Oh, the Bible says, la Bible dit, the time that they were waiting, quand ils attendaient, both virgins and fools, they were tired. Tous les dix vierges, they were tired. Elles étaient fatiguées. Because of waiting for the bridegroom to come. Parce qu'elles étaient dans l'attente de l'époux. So all of them, they were sleeping. Elles dormaient toutes. They were tired. Et elles étaient fatiguées. Exhausted. Elles étaient fatiguées. Sleeping. Et elles dormaient. And then at the night time, et le soir, you must understand when it's night, quand il est minuit, you will feel even your body, vous devrez comprendre que même votre corps is tired, you have to sleep. Votre corps va demander le repos. They were sleeping, all of them. Elles dormaient toutes le 10. But the Bible explained, mais la Bible explique, that it was in a midnight, que c'était à minuit, where the shout was outside, quand les cris étaient dehors, and they said that hey, this is your bridegroom is ready. Et elles ont écouté que c'est le poux qui venait. It's where all the virgins wake up. C'était quand toutes les 10 vierges, oh, when they wake up, se sont réveillées. They quand elles to, se sont réveillées, they have to dream the lamp. Elles doivent maintenant allumer leur lampe. Then the fool, they understand that they don't have oil. Et le 5 fous se sont rendus qu'elles n'avaient pas l'huile. Amen, amen. Amen. So they understood there's no oil. Qu'il n'y avait pas d'huile. The Bible said they're starting asking them. Et la Bible dit qu'elle commençait à demander aux cinq sages. That they may just borrow them or give them some oil. S'ils peuvent leur donner un peu d'huile. Let me telling you this. Laissez-moi vous dire. You know, in the time that we're living. Dans le temps où nous vivons. It's a moment that we have to know the true revelation of the Word of God. C'est le temps où nous devons connaître la vraie révélation de Dieu. So they didn't have the oil in them. Elles n'avaient pas elle n'avait pas d'huile. Oh, the book of Zechariah. Or le livre de Zacharie nous dit. The Bible explain. La Bible explique. That he saw Zechariah, and Zechariah saw the tree, the olive tree. Zacharie a vu l'arbre the ou l'olivier. He asked the angel, what is that? Et il a demandé à l'ange, c'est quoi ça? Because the olive tree. Parce que l'olivier. It's where they make the olive oil. C'est là où provient l'huile d'olive. And the olive oil. Et l'huile d'olive. To have the olive oil. Avoir l'huile d'olive. You have to squeeze or to, you have to crush the olive tree. Tu dois presser tout le. So the time that you tu dois presser l'olivier. You scratch the olive tree. Tu dois presser l'olivier. It's where you get the oil. Et c'est par là que tu auras l'huile d'olive. Oh, you must understand something. Mais tu dois comprendre quelque chose. For you to have oil. Pour que tu puisses avoir l'huile. It's not a matter of a day. C'est là, ce n'est pas à propos d'un jour. It's the matter of the sacrifice that you have to go. Mais c'est à propos du sacrifice que tu feras. I want you to catch this. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Because you must understand. Tu dois comprendre that with logos, que logos, everybody can know it. Tout le monde peut connaître le there logos. There is a Muslim that can even let you the logos of God. Même un musulman peut te dire le logos de Dieu. And more than yourself. Plus que toi-même. But that is not a problem. Cela n'est pas un problème. The problem is about the oil. Mais le problème c'est l'huile. Because if you don't have oil, parce que si tu n'as pas l'huile, you cannot access to the rema of tu God. Ne peux pas accéder au rema de Dieu. Now the problem is, maintenant le problème the time that you have the oil, quand tu auras l'huile, and you have the word of God, et tu as la parole de it's Dieu, where that comes. The rema of c'est God. Là où le rema de Dieu descend. Because the time that you have the rema parce que quand God, tu as le rema de Dieu, nobody can understand you. Personne ne peut te comprendre. Because you got the speaking word of God. Parce que tu as la parole let prononcée de telling Dieu. You, laissez-moi vous dire. Moses, Moïse. The time that God sent him, quand Dieu lui a envoyé. To release the children of Israel, de libérer les Israélites. The Bible says, la Bible dit. The time that they were going, quand ils partaient. They reached to the Red Sea. Ils sont arrivés there à la mer no Rouge. Way to go. Devant la mer Rouge, il n'y avait pas d'autre chemin à prendre. Moses had the rema of parce God. Que Moïse avait le rema so de God Dieu. Said that you have et to Dieu take a your dit, stick, tu dois prendre ton bâton. And you have to hold it like this. Tu dois tenir ton bâton comme then ça. The Red Sea have to part aside. Et la mer Rouge va s'ouvrir. That things, cette chose, you cannot find it in a logos. Tu ne peux jamais trouver cela dans le logos. It's only in the rema ce of n'est God. Que dans le rema de that's Dieu. Why when man of God, cela veut dire le serviteur de Dieu. Telling you to do something. Quand un serviteur de Dieu t'a dit de faire quelque that chose. Means there is a rema from cela God. Veut dire il y a un rema you de can Dieu. Go and look at it in tu the logos. Tu peux aller regarder you're dans le logo gonna find it. Et tu ne vas pas y trouver. The Bible says, la Bible dit Naaman,
Naaman. He went to see the man of God. Il est allé voir le serviteur de Dieu. He never even came inside of the house. Il n'était même pas entré But dans la maison. Because the man of God, parce que l'homme de Dieu, he had the rhema from avait God. Avait le rhema de Dieu. He told Naaman to go il and just Naaman, bath himself. Vas-y, t'es trompé dans l'eau. But in the mind of Naaman, mais dans la pensée de Naaman, he said, "What is that?" Il disait, c'est quoi because ça? Because the rhema of God, parce que le rhema de is Dieu, not everybody that can understand. Ce n'est pas tout le monde qui doit it's comprendre. It's only the one that got the relationship with seulement God. Seulement celui qui a la révélation because ou la relation avec understand Dieu. Something. Tu dois comprendre une chose. Being born again, être né de nouveau. You must be born again être, tu dois naître de nouveau. To understand the things of God. Pour que tu comprennes les choses de Dieu. The Bible says la Bible dit that you shall be born in water que tu dois naître and in a spirit. De l'eau et de l'esprit. You see the water, vous voyez l'eau, it symbolizes the word, ça symbolise la parole. And the spirit et l'esprit have to be together doit être ensemble for you to be a perfect man pour que tu sois un homme parfait the revelation from God. Qui peut avoir la révélation because it's not given to anybody. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Now this is the things. Maintenant, c'est, they got c'est ça the oil. Elles avaient l'huile. The Bible says. La Bible dit. At the midnight. À minuit. And then they just preparing themselves. Elles se préparaient. And then they have to go and meet the bridegroom. Elles doivent maintenant rencontrer le époux. So the foolish they ask for the oil. Le fol demandait l'huile. And then they told them that we can't give you. Et our on les oil. A dit que on ne peut pas vous donner l'huile. You have to go and buy your oil. Vous devrez aller payer l'huile. And the time that they went out, le temps qu'elles étaient parties payer l'huile, and look for the oil, ou chercher l'huile, the Bible says, la Bible dit, the bridegroom, l'époux, welcome the bride. L'époux vient de recevoir le, those wives, l'épouse. The Bible says, la Bible dit, they entered, elles sont entrées, and then they locked the door. Et elles ont fermé la porte. And the time that the foolish came back, et quand les cinq folles sont revenues, they came back, they started calling, et elles commencent à appeler. Open for us. Pouvez-vous ouvrir pour nous? What the bride said, qu'est-ce que le pou a dit? Depart from me, I don't know you. Elle, le pou a dit, je ne vous reconnais plus. Let me telling you this. Laissez-moi vous dire we're ceci. Living in a last time. Nous vivons dans les temps, dans les derniers temps. You know, you can just even know the logos of God. Vous pouvez connaître le logos de Dieu. That is not, it can't change you. Cela ne peut pas vous changer. But the only thing that can change. Mais ce qui peut vous changer. Is the time that you're having it with the Holy Spirit. C'est quand tu as cela avec le Saint-Esprit. Or the Bible says. La Bible dit. Nobody knows the mind of God. Personne ne connaît la pensée de except Dieu. The Holy Spirit that si knows ce n'est the que mind le Saint-Esprit qui connaît l'Esprit that de Dieu. Means for you to know the mind of pour God, que vous savez l'Esprit, you must la pensée the Holy de Dieu, Spirit that vous devrez avoir l'Esprit qui est the en Bible lui. Said that Peter, la Bible dit the Pierre, time that Jesus was asking them, quand Jésus les demandait, what people said that I am, qu'est-ce que les gens disent à propos so de everybody moi. Say you are one of the prophets. Tout le monde disait que tu es l'un des prophètes. This is the news that I know. C'est la nouvelle que but tout le monde it savait. Came to Peter. Mais quand c'est arrivé but à Pierre, Peter said, Pierre a dit, he just take the revelation. Il a pris la révélation. Listen, écoutez, the time that revelation came, quand la révélation arrive, Jesus said, Jésus a dit, that is not the flesh or blood that revealed to ce you. N'est pas la chair ou les sangs qui t'ont révélé, but it's my Father in mais heaven. C'est mon Père qui est dans les that cieux. Means he have the Holy Spirit cela that veut dire qu'il avait le Saint-Esprit en lui, the mind of God. Qui lisait les, la let pensée me de telling Dieu. You, laissez-moi vous dire, so when we are here, quand nous sommes ici, you must understand, vous devrez comprendre, the time that you call, you are called to be born again, le temps où tu es appelé à être né de you nouveau, must understand, tu dois comprendre, because in the book of John chapter parce 3, que dans les livres de Jean chapitre 3, la Bible dit que Nicodème, he went to look Jesus what time at night, il était parti chercher Dieu, Jésus c'était le soir, because at night, parce que le soir, nobody could see, personne ne pouvait voir, nobody could see, personne ne pouvait voir, now, maintenant, the Bible says, la Bible dit, and then he asked, et il a demandé, he said that nobody can do what you're doing. Personne ne peut faire ce que tu fais. All this miracle, tout ce miracle, it can do, that means you're coming from God. Cela veut dire tu viens de Dieu. But he was avoiding to say that you are a Messiah. Il ne voulait pas dire que tu es because le Messie. Because himself, parce que lui-même, was one of the Pharisees. Était l'un des pharisiens. But what Jesus said, mais qu'est-ce que Jésus a dit? He said, il a dit, nobody, personne, can know these things, ne peut connaître ces choses, except he's born again. Si ce n'est que celui qui listen est né de nouveau. What Nicodemus said. Écoutez ce que Nicodème a dit. Is it possible that as I'm grown, il a dit, est-ce qu'il est possible that comme I je suis go encore back to my une grande personne womb. Que j'ai rentré dans but le ventre de ma mère. Understand the revelation from God. Lui-même n'a pas compris la révélation.
révélation. Because himself, he knows only the logos of Parce qu'il connaissait que le logos the de limitation Dieu. Of him was in the logos. Parce que sa révélation était dans sa méditation But était Jesus dans le logos. Himself, Jésus lui-même. He is the word of God. Il est la parole Because de Dieu. The Bible says Parce que la Bible the dit beginning was the word. Que la, le commencement and était the word la parole. Was with God. Et la parole était and avec the Dieu. Word was la parole était God. Dieu. That means it, C'est it là was je the, at the beginning of God. C'était au commencement. So himself was there. Lui-même était là. He said, you know only the written part. Il a dit, vous, tu connais que ce qui est écrit. You don't know the revelation Mais part. Tu ne connais pas la révélation. But in revelation, I will tell Mais you, dans la révélation, je te dirai. Unless you born in water si and in seulement spirit, si tu es né d'esprit you shall et not d'eau, enter the kingdom tu of God. N'entreras pas dans le royaume de Dieu. Listen what the part that Écoutez is so la happy. Partie. The first time he said that la première fois, il if dit, you are not born again, si tu n'es pas né you de nouveau, shall not see Tu ne verras pas le royaume de Dieu. But the second part is Mais la deuxième partie if l'a you dit, are not born in water, si tu n'es pas né d'eau and in spirit, et d'esprit, you shall not enter. Tu n'entreras pas. Now, this, Maintenant, ceci, the first things that you must understand, la première des choses que tu, when tu you dois are comprendre, born again, quand tu es né de the nouveau, first things that you have to see the kingdom. Premièrement, tu dois voir le, But le royaume. When you are born in water and spirit, quand tu es né d'eau you et d'esprit, in the tu kingdom entres dans le royaume. Or the Bible says, Or, la Bible dit the kingdom que le royaume shall be given to the sons. Le royaume a été donné aux fils. Now, listen to this. Écoutez. Oh, if you are not born with the word of God. Si tu n'es pas né de la parole de and Dieu. And the spirit of God. Et l'esprit et d'esprit de Dieu. Oh, the Bible says la Bible dit the spirit que l'esprit can blow anywhere. L'esprit peut souffler n'importe and où. You don't know where it's coming from. Et nous ne savons pas d'où il vient. And you don't know where it's going. Ni d'où il va. Even the physician or Même the le physicien ou le, scienti- ou le scientifique. They don't know up until today. They don't know where the wind comes from. Ils ne connaissent pas d'où oh, le vent vient ni d'où of il Job. Va. The book of Job. Mais le livre de Job to us nous explique where the wind came from. Où est-ce que le oh, vent the Bible vient. Says La Bible dit the wind comes le vent in the treasury of God. Ça vient dans le trésor. Ça provient du trésor in de Dieu. In the treasury of God. Dans le trésor or de in Dieu. In the treasury of God. Or, dans le trésor de when Dieu. When he blow the wind. Quand il souffle le vent. Nobody can know where the wind is personne going. Personne ne peut connaître où il That's va. That's why when you are a man of the Quand spirit. Quand tu es un homme d'esprit. Nobody can understand personne you. Personne ne peut te comprendre. Because you are a man of Parce the spirit. Parce que tu es un homme d'esprit. Now the church of today. Maintenant l'église d'aujourd'hui. We forsake the part of the spirit. Nous oublions la partie d'esprit. We just build ourselves in the logos. Et nous nous concentrons dans le logos. Or in the logos. Or dans le logos. Cannot give you the revelation Les from logos God. Ne te donnent pas la révélation It's de only Dieu. When you got the spirit C'est quand tu as l'esprit and the word of God, et la parole it's de where Dieu. You know the revelation C'est là from où God. Tu sauras la révélation It's de Dieu. Only the Holy Spirit Ce n'est que le Saint-Esprit that reveal the mind of God. Qui révèle la Church pensée of de today, Dieu. Église d'aujourd'hui. I'm just challenging you. Je vous défie. We have to go deeper. Nous devons entrer en and profondeur look the Holy Spirit. Et chercher le Saint-Esprit. Let me telling you, Laissez-moi vous dire. Jésus, when he was born, quand il était né, up until he grew up, jusqu'à ce qu'il a grandi, he never do anything. Il n'a rien fait. But when he reached, mais quand il est arrivé, in the age of 30s, à l'âge de 30 ans, up until when he accepted to be baptized, jusqu'à ce qu'il a accepté d'être baptisé. Let me tell you the Laissez-moi mystery. Vous dire. Jesus was not doing anything. Jésus ne faisait rien. Up until when he went to be baptized, jusqu'à ce qu'il s'est fait baptiser. The time that he went to see John the Baptist, le temps il était parti voir Jean he Baptiste. In the water. Il est entré dans l'eau. The Bible says. La Bible dit. When John the Baptist, quand Jean Baptiste baptized Jesus, baptisait Jésus. The Bible says. La Bible déclare. The heaven was open. Le ciel s'est that ouvert. Means in that time, cela veut dire dans ce Jesus temps-là, could not do anything. Jésus ne pouvait rien up faire until when the Holy jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. So because when the Holy Spirit descended, quand le Saint-Esprit est descendu, he's starting to do miracles. Il commence à faire des miracles. Because there now Parce que is the Word and the Spirit. C'était là la parole qui est en esprit. Now understand this. Maintenant comprends. You can be a man of spirit. Tu peux être un homme d'esprit. Because there's other people that are doing things. Parce qu'il y a d'autres choses qui, d'autres personnes qui font des choses. The spirit that you got. L'esprit que tu as. It can come to another side. Ça peut aussi venir. There is men of God. Il y a un homme de Dieu. There is other men of God. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. They are spiritual.
Ils sont spirituels. But they are not acting with the Holy Spirit. Mais ils ne font pas des choses avec le Saint-Esprit. That means, cela veut dire, when you're standing, quand vous vous tenez, you accepting other spirit to take control. Et vous acceptez d'autres esprits de prendre contrôle. So that doesn't mean, it doesn't say that no, he got a Holy Spirit. Cela ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. You can act. Vous pouvez agir. In the spirit. En esprit. But. Mais. It requested. Mais cela demande. The spirit of discernment. L'esprit de discernement. To know what kind of spirit is behind the man. Pour savoir quel genre d'esprit qui travaille. So that means. Cela veut dire. You cannot even know the logos. Tu ne peux pas connaître le logo. But you are acting in a spirit. Mais tu agis en esprit. But not the Holy Spirit. Pas le Saint-Esprit. What is so dangerous there? Qu'est-ce qui fait le danger là-bas. That's why you will see other people. Vous pouvez voir d'autres personnes. They cannot even preach the word of God. Ils sont incapables de prêcher la parole de Dieu. Of God. You will see when they're standing, they're starting to prophesy. Quand ils se tiennent debout, ils commencent à prophétiser. Let me telling you. Laissez-moi vous dire. Even the devil prophesies. Même le diable prophétise. And they can prophesy you the right thing. Il peut aussi te prophétiser de véritables choses. So the danger of having the spirit, les dangers d'avoir l'esprit, without the word of God, sans avoir la parole. I will give you an example. Je veux donner l'exemple. You will see like in our churches in Congo sometimes. Parfois vous pouvez remarquer dans nos églises au Congo. You will see someone who is filled with the spirit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. And is starting ba ba ba. Et commence à parler en langue. So, you know what is making people to do that? Vous savez ce qui fait les gens, ce qui pousse les gens à faire ça? The spirit. L'esprit. Without the word of God. Sans la parole. Amen, amen. Amen. So when you don't have the word of God. Quand vous n'avez pas la parole de Dieu. You can even enter in a divination. Vous pouvez entrer même dans la divination. That's why the word of God, c'est pourquoi la parole de Dieu, is important, est importante, but with the spirit, mais of God. Avec l'esprit de Dieu. The church of today, l'église d'aujourd'hui, we are not growing up, nous ne grandissons pas, because you choose either part, parce que vous choisissez d'autres parties, because you will never know what spirit will take control over you, parce que vous ne savez même pas quel esprit qui prendra contrôle de vous. Paul, there is that spirit of that woman was having the spirit of Python. Il y avait cette femme qui avait l'esprit de Python. He was prophesying. Elle prophétisait. And what he said is true. Et ce qu'elle disait était vrai. But what differ? He didn't have the word of God. Mais elle n'avait pas la parole de Dieu. So he enter in the divination. So elle est entrée dans la divination. So you must understand to differ those two things. Vous devez connaître comment faire la différence de Because ces deux choses. A true man of God, parce qu'un vrai serviteur have de to Dieu, combine the word and the spirit, doit combiner l'esprit, you know, today et our la parole. Way doesn't have a power because it's not backed with the Holy Spirit. Aujourd'hui, nos paroles n'ont pas de puissance parce qu'elles ne sont pas combinées avec le Saint-Esprit. Now they were there. Maintenant, elles étaient là. The church of today. L'église d'aujourd'hui. We're going out according to what we hear. Nous sortons selon ce que nous écoutons. And today is about the prophecies. Et aujourd'hui, c'est la prophétie. When you hear that they're talking about, okay, this one is prophesying. Quand vous écoutez que celui-là prophétise. When you see the prophet is that side, you go. Quand vous voyez que les prophètes sont de ce côté, vous partez. The Bible says in the last time. La Bible dit que au dernier temps. There will be false prophets. Il y aura de faux prophètes. False teachers. Il y aura de faux professeurs ou de faux enseignants. But you must have the spirit of God. Mais le problème, vous devrez avoir l'esprit de Dieu. Let me telling you this. Laissez-moi vous dire. The Bible says. La Bible dit. The time is coming. Le temps est venu. Where the true worshipper. Où le vrai adorateur. Shall worship God. Adoreront Dieu. In truth. En esprit, and en vérité, in spirit. Et en esprit. Why they saying in truth? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit en vérité? And in spirit. Et en esprit. Because those two things you can't divide it. Parce que vous ne pouvez pas diviser ces Because deux choses. Because you can't, you know, if you are not born again, you can't worship God. Si tu es né de nouveau. Because worship. Tu ne peux pas adorer Dieu. Worship. Parce que l'adoration. Is a relationship. Est une so you relation. Can't, you can't worship God tu ne peux pas adorer if you are Dieu not in relationship with God. Si tu n'es pas
en relation avec Dieu. So you must have the relationship with God. Tu dois avoir la relation so avec that Dieu you can worship God. Pour que tu adores Dieu. Or to worship God. Or pour adorer you Dieu. You must be filled with the Holy Spirit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Because it's the Holy Spirit that will reveal. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va se révéler. The word of God. Qui va révéler la parole de Dieu. Amen, amen, church. Amen. So the church of today, l'église d'aujourd'hui, you can see there's five fools. Et vous allez voir, il y avait cinq folles. And five wise. Et cinq sages. But all of them, they were in the same place. Mais elles toutes étaient dans un même me endroit. You, laissez-moi vous dire. We have to renew. Nous devons our relationship with the Holy Spirit. Renouveler notre relation avec le Saint-Esprit. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Consider him is like it's an example. It's not like that. It's like a woman. Selon moi, c'est un exemple. Selon moi, je considère le Saint-Esprit comme une femme. The same way that God said that. De la même manière our helper, Dieu a dit, c'est notre aide. And the woman also is a helper. Que la femme est une aide. Oh, for you to have a woman. Pour que tu puisses avoir une femme. You have to take time. Ça doit prendre du temps. For you to go after a woman, pour que tu ailles après la femme, it's not only a matter of a day. Ce n'est pas une chose d'un jour. Another woman can accept you after a year. Une autre femme peut t'accepter après une année. When she say yes, et quand elle dit oui, it will take you a year. Ça va te prendre une année. It can take you 6 months. Ça peut te prendre 6 mois. Other people they're going for even 2 years. D'autres personnes prennent même 2 ans. And when a woman accepts you, et quand la femme accepte, she accepts you. Oui, elle accepte. Now, maintenant, when something happens, quand quelque chose arrive, maybe you hurt a woman, peut-être tu l'as blessée. That separation, cette séparation, it will take time. Ça va aussi prendre du temps. Amen. Amen. The Holy Spirit, le Saint-Esprit, the Bible says, la Bible dit, don't. What the word? Don't grieve the Holy Spirit. N'attriste pas le Saint-Esprit. You know why they're saying this? Vous savez pourquoi est-ce qu'ils because disent ça? It got the feelings. Parce que le Saint-Esprit a le sentiment. Now the time that you grieve the Holy Spirit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit. So it's going to be far away from you. Ça sera loin de toi. The same way with the woman. C'est de la même manière so avec la femme. So you have to go back. Tu dois encore rentrer. Seeking that relationship with the Holy Spirit. Rechercher cette relation avec le Saint-Esprit. There is a difference between. Il y a la différence entre. The gift of the Holy Spirit. Le don du Saint-Esprit. And the fruit of the Spirit. Et le fruit du Saint-Esprit. Now, in our days. Dans nos jours. People they prefer to work in the gift of the Holy Spirit. Les gens aiment travailler avec le don du Saint-Esprit. Or they avoid to go through the fruit of mais the ils Spirit. Évitent d'entrer dans le fruit du Saint-Esprit ou d'avoir le fruit du Saint-Esprit. Oh, the gift of the Holy Spirit, or le don du Saint-Esprit, it's what we call charisma. C'est ce que nous appelons charisme. You see, charisma, le charisme, when I'm standing here, quand je me tiens ici, and I'm starting to prophesy, et je commence à prophétiser, or doing miracles, ou de faire le miracle, or preaching the word with ou encore prêcher la parole avec la that's puissance. What you call charisma. C'est ce que nous appelons charisme. But when we call character as the total, mais si nous appelons caractère comme ça appris, is the fruit of the Spirit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Or when we talk the fruit of the Spirit, et quand nous parlons du fruit du Saint-Esprit, it's not too much fruit. It's ce only n'est one pas fruit. Beaucoup de fruits, c'est juste un seul. It's only one fruit. C'est juste un seul but fruit. In that one fruit, mais dans ces fruits, it develops different things. Ça a développé beaucoup de choses. That's why you can see you got love, kindness, c'est pourquoi patience. Vous pouvez voir il y a la patience. So all those things, toutes ces choses, you have them. Vous en avez. But the problem, mais le problème, you have to work on it. Vous devrez travailler because sur cela. Because when we talk about the fruit, quand nous parlons de fruits, it needed to water it. Cela doit être arrosé. So to water it. Cela doit être arrosé. And when you water it, et quand vous arrosez, it's starting growing up in you. Ça va grandir. It's giving you the character. Et ça va vous donner le caractère. That's why we don't want the character. C'est ce que nous ne voulons pas, le caractère. But we need to be appear before. Mais people. Nous voulons apparaître devant les gens. So this is the church of today. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Measure one. You see, even the walk is changed. Sorry to say that the walk. Même la façon de marcher, ça change. That is the charisma. Je peux prophétiser, c'est le charisme. But to see
the character. Mais voir le caractère. And see if really there is the fruit of the Holy Spirit. Et voir si réellement il y a le fruit du Saint-Esprit. This is the church of today. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Giffen ministry. Giffen. Let's develop the fruit of the Spirit. Développons le fruit du Saint-Esprit. All of us we are here. Oh, praying. Okay, tout le monde ensemble là nous prions. Talk in tongues, I shall prophesy. Que je parle en langue, que je prophétise. Que je But fasse le miracle. Talk about the fruit of the Mais Spirit. Personne nous parle du fruit du Saint-Esprit. This is what lack in our church of Laodicea. C'est ce qui manque dans l'église de Laodicée. It's important. C'est très important. Let me telling you. Laissez-moi vous dire. This day they don't teach you again Jesus is coming back. On ne nous parle plus, on ne nous enseigne plus que Jésus revient Beloved, bientôt. Let me telling you. Laissez-moi vous dire bien aimé. Jésus revient bientôt. All of us we talking about seven step how to make money. Nous parlons tous de sept étapes pour faire l'argent. Ten rules to do this and this. 10 règles de faire ceci et cela. But we forget that Jesus Mais is nous coming. Oublions que Jésus revient bientôt. You see when we still in that preaching. Quand nous demeurons dans cette prédication. It will give us hope. Ça va nous donner de l'espoir. You know, for you, you make it to, today. Making sin is so easy for you. Aujourd'hui, pour que tu pèches, c'est facile pour toi. Because you already forget that Jesus. Parce is que coming tu as oublié back. Que Jésus revient bientôt. The Bible says they were sleeping all of La Bible them. Dit qu'elle dormait. Oh, in these days. De nos jours. Our church is they're calling it the revival church. On appelle nos églises que l'église de réveil. What revival church? We sleeping. C'est quoi l'église de réveil mais nous dormons. We still sleeping. Nous dormons encore. It's the time to wake up. C'est le temps de se réveiller. The time that we stand, we wake up. Le moment où nous nous tenons debout et nous nous réveillons. It's where we're gonna make disciples. C'est là où nous ferons des disciples. Jesus is coming back. Jésus revient bientôt. Don't forget that. N'oublie pas ça. Let me telling you. Laissez-moi vous dire. One day I was sitting. Un jour j'étais assis. I said even though Jesus is not coming back. Et je me suis dit même si Jésus ne revient pas. But you'll die. Mais tu vas mourir. You can go tomorrow you die. Tu peux rentrer et demain tu meurs. But when you're about to die think where you're gonna go. Mais quand tu veux mourir, tu dois d'abord y penser où iras-tu? There is so much distraction these Il y a beaucoup de distractions. Nobody think about it. Personne ne pense de cela. They just put us another gospel. Mais on nous a juste inculqué un autre évangile. I'm not saying to forget yourself. No. Je ne te demande pas de t'oublier. But you must put in your mind Jesus. Mais tu dois mettre dans tes pensées que Jésus revient bientôt. The Bible said the word never lied. La Bible dit que la parole ne ment jamais. Jesus is coming. Jésus revient bientôt. But we have to stand Mais tu dois t'élever and to know the word of God et connaître la parole with de Dieu the power of the Holy Spirit avec la puissance du Saint-Esprit en and toi. You're gonna change the world. Et tu vas changer le monde. For us to change Giffen, pour que nous changions Giffen, it asks all of us to be disciples. Cela nous demande tous d'être les disciples. Not the members. Et pas le membre. Amen, amen. Amen. So this is the word that I want to give you today. C'était la parole que j'ai préparée ce We soir. We must develop the relationship with the Nous Holy Spirit. Nous devons développer la relation avec le Saint-Esprit. Be with the oil no matter what. Tu dois avoir l'huile peu importe le moment. Because without the oil Parce in que the lamp, sans l'huile de Dieu, the fire cannot be there. Le feu ne sera pas là. Because what makes fire? Ce qui fait le feu. It's what the, when the oil is in the lamp. C'est quand l'huile est dans le the est dans Bible le say, Jesus dans said, la lampe. You are the light of the world. Quand la Bible dit que tu es la lumière du monde. How can you be the light of the world? Quand tu Why? Comment peux-tu être la lumière du you monde? You don't have the oil inside of you. Mais tu n'as pas l'huile au-dedans de toi. It's very important to have the oil. C'est très important d'avoir l'huile If en you toi. Never experience the power of the Holy Spirit. Si tu n'as jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit. My brother, my sister. Ma sœur, mon frère. Cry. Tu dois pleurer. You have to have the power of the Holy Spirit. Tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit. We are not here coming and play. Nous ne venons pas ici pour jouer. You see, fellowship is important. Vous savez, fellowship is important.
La communion est très importante. As we are here, we call the fellowship. Comme nous sommes ici, nous appelons cela la communion. Nobody can develop himself. Personne ne peut se développer lui-même. You will pray at home. Tu vas prier à la maison. But fellowship is important. Mais la communion est That's très importante. That's why you are here. C'est pourquoi tu es ici. Amen, amen. Amen. Can you stand on your feet? Pouvons-nous nous lever? We mustn't be those five fools.